Bien, bonjour à toutes et à tous. Petit contretemps technique ce matin avec Stéphanie. Donc, ça sera Benoît qui va s'y coller. Bienvenue à toutes et à tous. Je ne vois pas vraiment qui est présent. Est-ce que vous pouvez faire un petit coucou si ça ne vous dérange pas? Alors, je vois Aurélien. Merci Aurélien, bienvenue. Je vois Lydia, peut-être Ellie, Myriam. Bonjour Myriam. Bon, nous sommes trois, donc c'est déjà une bonne chose. Trois personnes dans deux de grande qualité. Qui est là, s'il vous plaît? Bien, alors on va commencer sur le même principe que cette semaine avec le même type de séance. Le même type de séance parce que ça permet d'entériner, de prendre les bonnes habitudes. Maintenant que vous avez les automatismes, on ne va rien inventer. Bonjour Cécile, bonjour Sylvie, bonjour Pauline. Désolé du retard, on a un petit souci technique avec Stéphanie, mais je vais m'y coller du coup et ça va m'obliger à faire la séance ce matin. Alors c'est un petit peu le bazar dans la pièce, c'était pas du tout prévu, mais c'est pas grave. L'important c'est de participer, comme disait notre ami Pierre de Coubertin pour les Jeux Olympiques. Bonjour Cécile, bonjour Lydia. Je commence dans 5 secondes avec le fameux étirement. Voilà, donc bienvenue dans la salle 3S, salle sportive, sociale et solidaire. Et je suis désolé, je ne me suis pas encore rasé, j'avais pas prévu de faire cette séance, mais c'est ça qui est bien, j'adore. J'adore. Je repousse comme d'habitude le tapis dont on n'a pas besoin. Et je reprends ma petite serviette qui est toujours ici, en bonne forme. Et on commence par les étirements tout de suite. Allez, c'est parti. On se met en fente avant, bassin avant, rotation sur le côté. Alors, soyez bien attentifs, ça va aller très très vite pour les étirements. Maintenant qu'on a les automatismes et la petite habitude. Voilà, allez, on passe sur l'arrière. Ici, j'ai entendu. On descend les fesses en arrière. J'adore les séances au pied levé. Ok, on se redresse. On passe sur le côté. Toujours pareil avec le bassin entre les deux genoux. Ici, on descend très bas, le plus bas possible, sans se faire mal évidemment. Voilà. Alors je souhaite la bienvenue aussi à tous ceux du dimanche matin, parce que sachez que le dimanche matin, on fait une activité judo entre amis et j'espère qu'ils se sont tous levés pour la séance qui remplace la séance de judo. Ensuite, on pose le genou, on ramène le pied et hop, et on pousse en arrière. On étire ses hanches. J'espère que vous avez bien dormi. En ce qui me concerne, c'était le cas. J'étais réveillé par les impératifs du direct. Voilà. On va changer un petit peu ici. On va poser la hanche sur le côté. Voilà. On va poser l'autre hanche sur le côté. Ça fera deux exercices supplémentaires que vous aurez gagnés ce matin. Voilà. Et puis on va se redresser et repartir sur l'amplitude articulaire au niveau de l'épaule droite pour cette fois. Hop, on repart sur l'épaule gauche. Alors, le dimanche matin, ça fait du bien parce qu'on a souvent fait la grasse matinée. Et ça permet de se réveiller un petit peu. Voilà. Allez, on se redresse, on repart de l'autre côté cette fois-ci. Toujours pareil, la hanche, le milieu de la hanche entre les deux genoux. Voilà, et on se redresse à nouveau, on part dans l'axe. Vérification de la porte opposée. Et vers l'avant, ici, on tourne le buste sur le côté. Le ciel se couvre. Ça s'est rafraîchi un petit peu, ce qui fait qu'il y aura un petit peu moins de monde à l'extérieur, ce qui est une bonne chose en ce moment. Ok. Allez, on se redresse et on va enchaîner tout ça
Donc, vous n'avez pas oublié votre petite bouteille d'eau. La mienne est ici. Par contre, elle est vide, mais c'est pas grave. J'avais pas prévu, mais c'est pas un souci. Allez, on mobilise l'eau. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et sur le côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et 10. On va se mettre dans l'axe. Ici, on va tourner la paume des mains vers l'avant. Voilà. On va sortir un petit peu les pectoraux et on va monter doucement les bras vers le haut sur un plan sagittal le plus en arrière possible ici. Comme ça, on va échauffer les épaules et vous verrez qu'il y a un vrai travail de fixateur des omoplates notamment. Et puis des deltoïdes. Le deltoïde, c'est ce qui couvre la coiffe des rotateurs. La coiffe des rotateurs, c'est ce sont les muscles qui enveloppent l'épaule. Voilà, pour ma part, on a eu trois interventions sur l'épaule droite, mais elle fonctionne toujours. Donc tout va bien. Voilà, troisième phase. Voilà, tout doucement, le plus en arrière possible. Vous verrez qu'il y a un vrai travail, mais vraiment un vrai travail de musculaire au niveau de l'épaule. Ok, voilà. On va rebouger un petit peu tout ça. Allez, faire l'arrière maintenant. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on va resserrer un petit peu les pieds ici et on va se placer sur le côté. Voilà, doucement, on va bien étirer la partie latérale, notamment les intercostales. Je parle sous le contrôle des kinés qui sont en train de faire la séance, notamment Anne Guillermier qui est en place, j'espère. Oh, la deuxième. J'ai pas intérêt à dire des bêtises parce que je vais me faire tacler à la sortie. Voilà, deuxième. Allez, troisième de l'autre côté. On y va. Et quatrième. Une fois à gauche, ici. Une fois à droite, ici. Ok. On va relâcher le dos légèrement. Alors moi, j'ai cet interrapport en fait qui permet de travailler la proprioception, l'équilibre sur une jambe, sur deux jambes. C'est très pratique. Et je l'ai sorti du Sport Trek parce que. Parce qu'en ce moment, ben, il va rester immobile un certain temps. Vous allez soit prendre une chaise, soit prendre un petit support surélevé, poser les mains dessus pour pas donner de contraintes au niveau du dos et descendre doucement, rouler les épaules, la tête et le dos. Voilà, on essaye de donner toute l'amplitude possible au niveau des articulations sans trop forcer. Hop, et là, on s'assoit et on se redresse. On redescend à nouveau. Voilà, on va chercher soit le sol pour les plus souples, soit la chaise, soit un petit appareil qui se relève. Et hop, on descend à nouveau et on relâche. Voilà. Ok, donc on reprend sur la position ici de départ. Toujours pareil, travail de proprioception. Alors aujourd'hui, on va faire des petits exercices un peu différents. On va travailler sur des balancés. Hier et mercredi, on avait travaillé sur cette posture-là, posture patinage artistique, l'arabesque. Et là, on va travailler sur des postures un peu plus judo, avec des balancés de jambes. Donc, on va se mettre sur une jambe ici. Donc, je vais me mettre de trois quarts et on va ici avancer la jambe vers l'avant, mettre les bras vers l'arrière et on va faire ce mouvement de balancier ici. 1, 2. 3. Vous voyez qu'on est en opposition quand la jambe est en avant, le bras est en arrière ici. 4, 5, et on ancre bien le pied au sol ici. 6, 7, 8, 9 et 10. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Ça, c'est pour ceux qui n'auront pas judo ce matin. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4. 5, allez, un peu plus élégant, j'ai entendu. 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on relâche un petit peu. Maintenant, on va se mettre de face. Donc, je vais être face à vous. Toujours pareil, je me mets sur une jambe. Vous mettez les bras où vous voulez pour l'instant. Et ensuite, on va pareil compenser le poids de la jambe avec le poids des bras. Ici, 1, 2, 3. 4, 5,
6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on va passer de l'autre côté. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, ça va comme ça. Alors maintenant, on va passer à petite mobilité du haut et du bas. Ici, avec des exercices qu'on a fait en fin de séance la dernière fois. Avec des montées de genoux, des rotateurs bassin, des petits travaux de coordination d'un axe. Donc on va démarrer là-dessus juste pour se remettre dedans et, ou se réveiller pour certains. Donc j'ai fait partie. Donc on y va maintenant. Petite foulée, tranquille. On élève à peine les pointes des pieds du sol. Voilà. Ici. Comme si on allait trottiner, mais de façon très très relâchée. Voilà, ça on peut le faire pendant 2 heures, il n'y a pas de souci. Maintenant, on va monter un petit peu les genoux. Là, 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 là. Rotation du bassin, toujours pareil, avec un travail au niveau des bras. En opposition, on retourne le bassin, on déverrouille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et 10. Maintenant, on va travailler en avant et en arrière, comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deux pieds en avant, deux pieds en arrière. 7, 8, 9 et 10. Et on continue, on relâche tranquillement. Alors ça, c'est l'échauffement, hein, donc on refera tout à l'heure de façon un peu plus intense. Et on monte les genoux. Allez, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 et 10 et rotation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, sur l'avant et sur l'arrière. 1, 2, toujours on roule un petit peu les mécaniques, hein, ça ne fera pas de mal par les temps qui courent. On se met en confiance. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On fait un troisième tour. On relâche tranquillement. Voilà, toujours en mobilité, hein. Il n'y a pas de demi-mesure. Je suis un petit peu énervé ce matin, donc on va mettre la patate. Allez, on monte les genoux. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Rotation. 1, 2, 3, 4, 5. Pour le ski, Gilles, 6. 7, 8, 9 et 10. Dernier passage, tout en relâchement. Ça ne sert à rien d'être crispé, au contraire. On est mobile, on est relâché, on roule un petit peu le haut. Les mécaniques, comme disent certains. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, maintenant on est chaud. Assez chaud ou pas assez, mais sinon on va continuer de toute façon progressivement. La séance doit toujours être progressive. Même si vous mettez le cœur dans la bouche en fin de séance, soyez progressif. Et plus vous montez dans l'âge, et plus il faut être progressif. On prend un petit coup de boisson. Moi, je fais semblant. Hop. Ah, il y en a encore un petit peu. Et puis, on va se remettre au travail. Je vous laisse récupérer tranquillement. 1 minute et je vous retrouve tout de suite. Alors c'est pas Danse avec les stars, Olivier, hein. Ça va venir, mais c'est pas encore ça. Ok, on est prêt pour la phase gainage. Maintenant, vous connaissez le protocole. Pour les nouveaux, vous y allez tout doucement. Sur chaque phase, il y a plusieurs possibilités. Soit poser les genoux, soit faire ça sur la pointe des pieds. Donc, c'est à vous de régler tout ça.
Comme ce matin est un petit peu particulier pour moi, je vais me mettre dans le confort. Je crois que j'ai droit, enfin, j'espère. Je vais quand même utiliser ce petit tapis un peu en dessous. Voilà, comme ça je serai un peu plus disponible au niveau de mes appuis. Donc on y va, on commence dans l'axe, on enchaîne sur le côté, on enchaîne à nouveau sur le dos, ça fait trois positions. Et on enchaîne ça au fur et à mesure sur des exercices statiques au début et dynamiques ensuite. Et ça va monter en puissance au fur et à mesure. On y va. Je me mets en position de face dans l'axe. Allez, c'est parti. Je vous rappelle que c'est une séance sans matériel, sans tapis normalement. Mais je m'autorise exceptionnellement aujourd'hui un petit tapis de 2 mètres carrés sur une surface de 2 mètres carrés. Ça permettra de voir un petit peu la surface que je vais utiliser. Donc on est dans l'axe, on est tranquille avec les fesses bien serrées. Voilà, ce sont les fessiers qui permettent de maintenir cette position et surtout les abdominaux qui travaillent aussi. Et là, on va se mettre sur le côté tranquillement. Une main sur la hanche, bien alignée. On est toujours bien aligné. Voilà, garde à vous. On évite de s'écraser sur l'épaule. Ça, c'est important aussi parce que souvent, on s'affaisse sur l'épaule et croyez-moi, il y a du poids hein, sur la glène au niveau de la tête de l'humérus. Voilà. Et une fois qu'on est là, on passe de l'autre côté. On fait un petit demi-tour. Alors, moi, je le fais comme ça pour être toujours face à vous, mais vous pouvez très bien faire un demi-tour sur vous-même. Sauf que vous ne verrez pas la caméra, enfin l'écran, mais c'est pas grave. Voilà, on reste dans cette position, bien aligné. On ne reste pas passif, hein, on est actif, on essaye de corriger, d'améliorer. On ne se met pas sur l'arrière, on ne se met pas trop sur l'avant, pas cambré. Voilà, on est vraiment dans l'axe, sur une position qui est bien anatomiquement positionnée. Voilà, on reste encore un petit peu et on se met ensuite ici sur le dos. On relâche le dos tranquillement. Rappelez-vous, c'est le talon qui va au sol. On ne met pas le pied, on met le talon ici plus ou moins allongé en fonction de l'intensité que vous pouvez mettre au niveau des ischio-jambiers. Donc, premier tour, on va essayer de resserrer un petit peu. Voilà, ici pour être bien confortable et on va se positionner avec les deux genoux qui sont dans le même sur le même plan, les mains ici sur le ventre pour bien sentir la montée du bassin. Voilà, et ensuite on va inverser la jambe et monter le bassin à nouveau vers le haut. Un petit peu d'élégance, pointe. Le patinage artistique m'a beaucoup appris dans la posture. Voilà, et maintenant on va passer au deuxième tour qui sera un petit peu plus dynamique avec un travail du bassin. Et ensuite il y aura un travail des jambes. Donc on se met ici, toujours dans la même posture. On reste 10 secondes pour bien voir si on est calé, on ne s'affaisse pas sur les bras. Voilà, on est bien relâché et on y va. On pousse vers l'arrière. Une fois, deux, trois, 4 et on va jusqu'à 5 et 5 et là on va directement sur le côté. On s'aligne bien, pareil pendant 10 secondes, on corrige la position. Alors si je suis pas bien placé, n'hésitez pas à me faire des remarques. Et là on va descendre et monter le bassin. 1, 2, 3, 4, 5 et on passe de l'autre côté. Là. Et on redresse le bassin. Si c'est trop dur, vous posez ici la jambe sur le genou. Et là, vous verrez, ça sera beaucoup moins dur. Il y a moins de porte-à-faux. Donc sinon, pour les autres, on se met dans l'axe complètement aligné du bout des pieds jusqu'à la tête. Et là, on va bouger le bassin. 1, 2, 3, 4 et 5. Et ensuite, on vient ici sur le dos. Voilà. On allonge un petit peu peut-être par rapport à tout à l'heure. Maintenant qu'on est chaud et on va monter
le bassin et descente de bassin en rétroversion. 2, 3. Il y avait une expression que je donnais à mes athlètes de l'équipe de France à l'époque pour simuler la rétroversion. Ils comprenaient tout de suite ce que ça voulait dire. Mais je peux pas l'exprimer ici. On va faire l'autre côté. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, on repart ici. Face au tapis, face au sol. Tout de suite, on enchaîne. Pareil, on règle la position. Et là, on va monter les jambes à l'arrière, une jambe après l'autre, évidemment, avec rétroversion du bassin. On ne cambre pas, on se met en rétroversion. On serre les fesses et là on y va, on monte la jambe. 1, 2, 3, 4, 5. On change de jambe. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, on se replace en position. On vient sur le côté ici. Allez, on aligne tout ça. Soit sur le genou, comme ça. Soit sur le pied, comme ça. Là, c'est un peu plus dur. Et là, on corrige la posture et on y va. On monte. 1, 2. Vous pouvez en faire 1, 2, 3, 4 ou 5, comme vous voulez. Et 5. Ok, on va changer de posture, on passe de l'autre côté. On y va. Allez, on gagne tout ça. Les fesses serrées. On aligne et on monte la jambe. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on vient ici sur le dos. À nouveau. Hop, on monte le bassin, on monte la jambe. On aligne tout ça. Et là, c'est la jambe qui va venir toucher le sol, effleurer le sol et monter vers le haut. Là, vous voyez que j'ai la cheville qui n'est pas flex. Je vais volontairement mettre la cheville flex parce qu'ici, on a un petit étirement qui est intéressant au niveau de la partie postérieure de la jambe. 4 et 5. Ok, on change à l'autre. On y va, on descend, on va effleurer le tapis. 1, 2, ou le carrelage. 3, 4 et 5. Ok, on revient sur les bras. À nouveau, on va donner un peu plus de fréquence, on va écarter et serrer les jambes. Donc on est sur cette position, et là on va faire écart serré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. Ok, on se met sur le côté, ici. Voilà, et là on va venir tendre le bras perpendiculairement au sol et on va venir enrouler le bras comme une chute avant dans le judo et dérouler en respirant bien fort et on enchaîne. 2, 3, 4, vous voyez que les abdos travaillent aussi sur l'enroulement. Et 5, pareil sur la position, soit vous posez le genou, soit vous êtes sur la cheville, les pieds. Donc ici, on tend, on règle la position et on y va. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, on va se mettre sur le dos. Voilà. Donc dans cette position-là, on va récupérer du gainage et on va uniquement mettre les deux talons au sol. Là, on va faire comme si on avait quelque chose entre les mains. Et on va éjecter ici en pontant, une fois à droite, une fois à gauche. On y va. 1, on regarde à gauche. 2, on regarde à droite. 3, on regarde à gauche. Allez, 4, 5. 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on récupère un petit peu. Donc ça c'était l'entrée, on va passer au plat de résistance. Pensez à boire. Et j'espère que ça se passe bien. Alors on y va, c'est un peu pipi-cha au début, pour certains qui ont l'habitude de travailler de façon très très difficile. Mais ça monte en puissance, vous inquiétez pas, ça va venir. Et après, chacun pourra mettre l'intensité qu'il voudra. Petite récup, 1 minute.
Bonjour à Fabrice, bonjour à Mathieu, Perremoto, excellent souvenir, Sylvie, Lucie et Fabienne. Hydratez-vous, on nous dit. Ah ben merci, moi j'ai plus d'eau. Est-ce que vous avez récupéré? Qui s'abstient, consent? Je vais régler un petit peu la caméra. Voilà. Hop. Bien, on va repartir sur le renforcement. Alors pareil, on va travailler, il y a trois postures, hein, toujours par trois, c'est facile à retenir, c'est simple. Je vous rappelle que cette séance, elle est faite pour tout le monde, donc c'est pas forcément pour préparer les Jeux Olympiques de Tokyo, qui vont être sûrement repoussés. Mais c'est pour que tout le monde y trouve son compte. Donc des exercices qui sont simples, toujours par trois la plupart du temps. Et après, on tourne sous forme de circuit, ce qui permet de gagner du temps. Si on reste sur le même mouvement, on est obligé de prendre du repos, de la récupération, et c'est compliqué d'enchaîner. Par contre, on le fera sur une des prochaines séances, mais là aujourd'hui, on enchaîne sous forme de circuit sur des postures qui sont chaque fois différentes, donc ce qui permet de laisser reposer une partie et retravailler une autre sur une forme d'enchaînement et de circuit. Bon, on va démarrer toujours sur la même position, de face ici sur les bras, donc genoux au sol ou pied au sol, d'accord? Donc vous choisissez votre posture, ici c'est beaucoup plus facile, voilà, et ici c'est un peu plus dur. Donc on démarre par une position de pompe, ensuite il y aura les postures travail abdominaux, hein, ici, donc on sera face au plafond, et puis après il y aura une partie sur les jambes évidemment, qu'on n'a pas beaucoup travaillé aujourd'hui, mais qu'on avait travaillé quand même pas mal hier. Et toujours pareil, on finira par la partie cardio pour bien se mettre d'aplomb pour ce dimanche qui nous attend. Allez, on y va. Voilà, on aligne tout ça et on descend doucement. 1, 2, 3, 4 et 5. Uniquement 5 au début. On va se mettre sur cette position ici. Jambes tendues, cheville flex, tout ça pour étirer le dos dans la position maximale vers le haut, supérieur, et remonter le buste pour bien gainer au niveau des abdos. Surtout la partie basse abdominale, notamment le périnée chez les dames et les hommes. 1, 2, on travaille sur les 10 derniers centimètres de la position haute des jambes. 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Ok, on se met sur les jambes tout de suite. Allez, on y va. On se met sur une jambe et on descend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on reste en bas, on monte les bras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On est fatigué sur la gauche. On passe sur la droite, il n'y a pas de souci. Tout ça, c'était au repos. Donc, ça nous permet d'enchaîner, comme je vous disais tout à l'heure. Le fait de changer de partie au niveau du corps, ça permet de ne pas perdre de temps sur la récup. On était à 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On maintient. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, pareil, vous faites en fonction de vos capacités. De toute façon, vous pouvez pas, vous n'êtes pas obligé de faire tout en intégralité. Vous pouvez vous arrêter pendant le mouvement. Il n'y a pas de souci. Et ici, on va repartir au niveau des bras. Donc, on va se mettre sur les coudes ici. Et remonter sur les mains, une fois à droite, une fois à gauche. Coude droit, coude gauche, main droite, main gauche. On y va. 3, 2, 1, c'est parti. Allez. 1, 2, 3, 4. Vous pouvez faire sur les genoux. 5, 6, 7, 8, 9. 10. Ok,
Hop, on repart sur les abdos cette fois-ci. On va chercher à trouver le point d'équilibre ici entre les jambes et le buste. On va regrouper les jambes vers soi ici et on va tendre les bras. On va inverser en fléchissant les bras, en tendant les jambes. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc là, on arrive à faire du rameur sans rameur, donc sans appareil pour ceux qui n'en ont pas. Moi, personnellement, non plus. Donc voilà, on fait du rameur sans la rivière et sans rameur. Donc c'est formidable. Donc, on va faire un petit demi-squat avec un pas chassé ici. 1, 2, 3, 4. La posture est très importante. Donc toujours bien se positionner comme les sports de combat. On descend son centre de gravité. On se positionne en haut. On aurait pu avoir des gants de boxe. Voilà, on est toujours en belle posture. 5, 6, on va aller jusqu'à 20. 7, 8, et oui, 9, 10. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et 20. Ok, on se remet en position face au tapis. Cette fois-ci, on va faire la même chose que ce qu'on faisait debout à l'instant. On va ramener une main, fléchir, ramener à nouveau une main, fléchir. Une main chasse l'autre et on fléchit au niveau des bras. Ok, allez, attention, ça va démarrer. 1, pareil, vous êtes sur les genoux, comme ça. 2, ou sur les chevilles, comme ça. 3, 4, tout en contrôle, ça sert à rien de faire vite. 5, pardon. Je vais me faire engueuler. 6, 7, 8, 9 et 10. On reste. 1, 2, 3, 4. Vous pouvez vous mettre sur les genoux. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on se relève. Maintenant, on va faire demi-squat sur place, comme ça. Sauter. Donc on va donner de la puissance avec le propre poids du corps. On n'est pas forcément en puissance maxi. Par contre, le fait de sauter, ça va donner encore un peu plus de puissance au niveau du bas. Donc on va travailler davantage en explosivité. Et donc recruter un peu plus de fibres musculaires. Toutes les fibrounettes qui se retrouvent sur le quadriceps, ischio-jambier, fessier, on pourra bien travailler. Donc ça va donner ça. Voilà. Si vous n'y arrivez pas, il n'y a pas de souci, vous restez sur ce mouvement de demi-squat. Ok, toujours avec une belle posture et les talons au sol. Là. On y va, donc on descend. On reste sur place. Et on saute. 1. On reste sur place. 2. On reste sur place. 3. Sur place. 4. Latéral. 5. 6, 7, on pousse, 8, 9 et 10. Ok. Une fois qu'on a fait ça, on repart sur les abdos. On y va. Donc, on reprend les mêmes exercices que les fois précédentes. On croise les mains ici comme un volant. Et là, on va tourner d'un côté, tourner de l'autre avec le corps en équilibre. Si vous n'y arrivez pas, vous restez sur cette position-là. On y va. 1, 2, 3, 4, 5. Chevilles serrées. 6, 7, 8, 9, 10. Et 1, et 2, et 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10, ok. Alors pour les bras, certains vont me dire ouais c'est bien ton truc, par contre c'est un peu mou, donc on va rajouter un petit peu de peps. Donc on va faire comme sur les demi-squats, on va sauter, par contre ça sera avec les bras. Ceux qui arrivent bien, ils vont devoir ici sauter, taper sur la main.
Ceux qui ont du mal, ben vous mettez soit sur les genoux, ici, vous faites un petit saut, soit ici, un petit saut. D'accord ? Je vais volontairement avancer le tapis. Ça s'appelle les pommes sautées. C'est comme les frites, les pommes de terre. Il faut les faire sauter. Donc, on y va. Allez, on descend et on claque des mains. 3, 2, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Ben voilà, ça se passe bien. On a fait abdos, on a fait bras, on remonte sur les jambes. Donc là, cette fois-ci, on va faire la même chose sur une jambe. Donc, on va se mettre comme la position de départ à l'échauffement. On va se mettre sur une jambe ici. On va fléchir, maintenir la position et hop, faire un petit saut. Alors l'intérêt du saut, c'est, vous allez me dire, le travail excentrique. Bon, il y a deux paramètres sur la contraction musculaire, enfin la partie articulaire surtout, c'est la partie excentrique et la partie concentrique. La partie concentrique, c'est ce qui permet de déployer l'énergie vers l'extérieur. C'est des mouvements de poussée. La partie concentrique, c'est la partie d'amorti, qui est très intéressante. L'amorti ici permet de recruter aussi beaucoup de fibres musculaires. Et là, sur une jambe, ça permet aussi de travailler beaucoup la proprioception. On avait vu sur une surface molle, c'est un petit peu plus compliqué. Là, on va le faire sur une surface dure, mais cette réception va permettre de travailler aussi l'équilibre et la cheville, la posture et tout ce qui est un équilibre. Donc, on va faire la même chose sur une jambe et puis sur l'autre. Si vous n'y arrivez pas, il n'y a pas de souci, vous faites votre petite flexion tranquillement, en dynamique ou en statique. D'accord ? Pour les autres, hop, on essaie de décrocher la mine. Attention, 3, 2, 1, on descend, on maintient la position, on ne bouge plus. Et hop, et on se réceptionne, sans poser la deuxième jambe. Et 2, là, et 3. Moins il y a de bruit à la réception, ça veut dire mieux vous amortissez. Avec les orteils d'abord et puis la plante des pieds. 4. Voilà. Et on maintient, si possible, de façon élégante. 5. Voilà. On prend la position. Et 6. Ok. Vous voyez que ça fait bien travailler toutes les parties musculaires de façon plus intense. Et on passe ici sur l'autre jambe. Ok, on fléchit, on maintient la position. Et 1. Là. Oula. J'ai un tapis qui glisse. 2. 3. L'intérêt, c'est de ne pas poser la deuxième jambe. Et ça m'arrange. 4. Voilà. 5. Et l'intérêt, c'est d'avoir un seul appui. Alors, j'en ai fait deux au début. J'étais un peu surpris. Et puis, après, bah, j'ai rectifié. Je ne me rappelle plus à combien on est. On va dire 5. Et un sixième. Là. Et on maintient, ok? Donc sur cet exercice, l'objectif évidemment c'est le travail concentrique où on va pousser vers le haut, mais c'est surtout l'amorti où on doit se poser sans faire des petits pas comme j'ai fait au début, ce qui n'était pas bien. On fait une petite pause, une minute, et après on reprend le renforcement musculaire avec ces exercices qui sont très très basiques, très simples mais un petit peu techniques aussi. J'en profite pour saluer Gilles, Pascal Junior. Alors les enfants, c'est hyper important. C'est difficile de rester confiné quand on a 3 ans à 18 ans. Donc j'espère que ces séances-là vont participer à la paix dans les foyers pendant cette période de confinement. Pascal Junior, Isabella, Loritzen. Alors Isabella, c'était une de mes anciennes athlètes danoises qui est là et qui regarde, c'est bien. Come on Isabella. Didier Pistre, qui a été un ancien ami du judo toulousain,
Eva Gérard, madame, bonjour. Ghislaine, Gigi, bonjour, Ghislaine, qui nous dit que ça fait du bien. Mais écoutez, j'en suis ravi. J'espère qu'elle dira la même chose à la fin, mais de toute façon, il faut faire avec ses capacités. Et puis Sylvie de la société SICA, qui nous dit qu'on respire bien. Donc c'est une bonne chose, il faut respirer en ce moment. N'hésitez pas à aérer vos habitations le matin. En ce moment, il faut vraiment ventiler tout ça pour que l'air circule. Donc nous, on essaye de faire circuler l'air dans les poumons pour anticiper tout problème de pathologie. On prend de l'avance, en fait, sur nos capacités physiques qui, peut-être, risque d'être mise à mal dans les jours qui viennent, mais voilà. Donc il faut cultiver son jardin, comme on dit. Alors on va repartir de façon un peu plus intense et enchaînée. Tout le monde a récupéré. Voilà, on est toujours dans le prolongement de la première séance avec les mêmes exercices. Ça ne sert à rien de changer tout le temps. On met des petites choses en plus, mais si on change tout le temps, on est toujours dans l'apprentissage. Donc on ne peut pas mettre l'intensité qu'on veut. Et contrairement à ce qu'on peut penser, c'est toujours plus dur quand on a l'habitude de l'exercice que quand on n'a pas l'habitude. Pourquoi ? Parce que quand on a l'exercice, quand on s'est bien approprié l'exercice, eh bien on donne beaucoup plus d'intensité, de rythme, et donc c'est un peu plus dur physiquement. Allez, on va repartir, on commence sur les bras. Cette fois-ci, on enchaîne tout. Je vous donne quelques consignes, mais tout en travaillant. Et on se retrouve dans 5 minutes. Allez, attention. On commence sur les bras, ici, soit sur les genoux, soit sur les chevilles, comme vous voulez. Alors je vais faire les deux pour bien montrer. Et on y va, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on se met ici sur les fesses. Jambes tendues, on redresse le buste, 1, 2, 3, cheville flex, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, on se relève rapidement. Allez. Les mains derrière le dos sur une jambe. Allez, 1, 2, 3, 4, on a un peu plus de rythme, hein, 5, 6, 7, cheville, 8, 9 et 10, un pied chasse l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On repart sur les bras. Allez, on y va. Maintenant, on est sur les coudes et on va passer sur les mains ici. 1, 2, 3. On aligne bien le bassin. 4, on est dans le prolongement du gainage. 5. 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on passe debout, 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 et on va faire un pas chassé, une flexion. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on met au sol, on inverse, c'est pas grave. Ici, on rentre les genoux vers soi, les jambes vers soi et on tend les bras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on passe sur les bras. Ici, pas chassé, cette fois-ci avec les mains. On y va. 1, 2, 3. Vous pouvez faire sur les genoux, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on se remet debout, squat sauté, demi-squat ici et on va se mettre en extension et on maintient la position. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on va passer cette fois-ci aux abdos. Hop, sur les fesses, mains croisées et on tourne. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 sur les bras. Cette fois-ci, c'est pompe sautée. Donc soit sur les genoux, soit sur les chevilles. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. On se remet debout. Cette fois-ci sur une jambe. Pareil, demi-squat sur une jambe sautée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vous n'êtes pas obligé de sauter si vous n'y arrivez pas, 8, 9 et 10, on change, allez, 1, oula, pardon, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on récupère. Donc la prochaine fois, enfin une fois, je vous promets, je le ferai sur le terracord. Ou les yeux bandés. Et ça sera dans très longtemps. Allez, on récupère. Tranquillement, vous voyez que ça fait monter un petit peu le cardio. Surtout lorsqu'on parle en même temps. Je vous laisse vous réhydrater et on reprend dans 2 minutes. Et j'en profite pour dire bonjour à René. René et eux, Catherine. Bonjour Catherine, bonjour Alex. Alors les séances ont toujours lieu à 11h. 11h parce que souvent les habitudes font que à midi on se met peut-être à la cuisine, surtout les messieurs qui sont en télétravail, où on fait des tâches un peu plus familiales. Donc 11h midi, je trouve que c'est pas mal. Ça permet de faire la grasse matinée pour ceux et celles qui se reposent, notamment le week-end. Et puis pour les autres, voilà, ça permet de tout faire dans la journée. Même si on est beaucoup moins occupé en ce moment. Voilà, bonjour Pauline. Strempoline Pool. Pauline qui doit être une nageuse. Est-ce que vous pouvez me confirmer, Pauline? Allez, on va repartir sur du cardio. Cette fois-ci, toujours avec des exercices hyper basiques, hyper simples que ma grand-mère serait encore en capacité de faire. Voilà, avec des montées de genoux, des rotations et puis un petit travail de décalage. Donc pour ma part, je retire le tapis, je glisse. Hop. Voilà, alors ça c'est le tapis que j'amène dans les établissements scolaires où on intervient avec mon équipe et le Chizen Sport Truck pour présenter déjà les valeurs, l'engagement, le respect. C'est en anglais, donc ça leur permet de réviser l'anglais. Il y a des chiffres, donc ça leur permet de réviser les mathématiques. Et puis il y a du travail physique, vous voyez la position des mains. C'est une flexion sur chaque chiffre. Et quand on arrive au 9 x 12, il faut savoir... il faut connaître le résultat du 9 x 12 ou du 12 plus 9. Et voilà, c'est pédagogique et c'est tout l'intérêt aujourd'hui de l'EPS, quelque part, éducation physique et sportive dans les collèges. Avec des petits outils comme celui-là, avec une pratique un petit peu dépoussiérée, qui date des années 80, maintenant on permet aux élèves, notamment les jeunes filles qui se font faire des certificats médicaux à tour de bras parce qu'elles n'aiment pas l'EPS, je peux vous dire qu'une fois qu'on est parti, une fois qu'on a fini les ateliers, elles en redemandent. Voilà, alors au travers de cet outil, mais pas que. Voilà, quand on réinvente un petit peu les choses, les jeunes ou les moins jeunes, ils trouvent de l'intérêt.
Et j'espère que c'est le cas aussi pour vous. Ici. Voilà. Donc on va faire comme hier du coup, puisque maintenant vous avez l'habitude. Montée de genoux, rotateur, coordination, jumping jack et burpees, ça fait 5. Donc montée de genoux, rotateur, ça permet de récupérer. Ensuite il y a le travail de coordination, jumping jack, c'est ça. Et puis les burpees, bah, c'est ça. Voilà. Où on finit le cœur dans la bouche, c'est le cas de le dire. Allez, on va faire un petit passage. Faites-le à votre convenance, franchement, ne forcez pas le destin. Vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, évidemment. Donc pour celles et ceux qui démarrent, ben, commencez à vous étirer maintenant. Et puis pour les autres, je pense à Cécile qui en demande toujours un peu plus. Cécile, continue à travailler pendant la récup. Tu ne t'arrêtes jamais. Comme ça, je suis sûr que tu auras fait une bonne séance. Allez, on commence par les montées de genoux. C'est parti. On fait 15 secondes. 5, 3, 2, 1, rotation, avec les bras, on twist, ça c'est facile, hein. 5, 3, 2, 1, allez, coordination, avant-arrière, on peut se décaler, droite et gauche. Plus vous êtes relâché, plus c'est facile. Là, c'est le premier tour, c'est tranquille. Ça va fumer un peu plus après. 3, 2, 1, jumping jack. Là, 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 là. Pantalon aussi. 5. Hop, la reprise. 1. Troisième et dernier tour.5 3 2 1 jumping jack. Allez, 5, encore 5, 4, 3, 2, 1, allez, la dernière.
Ok. Je vais être moins bavard dans les 2 minutes qui suivent. Récupération. Allez, un petit tour sur l'écran de contrôle pour vérifier tout ça. Catherine n'avait pas noté l'horaire. Ça va pas du tout, Catherine. Bonjour, Colette. Avec Clémence. Didier Pistre, toujours là. Mon administrateur dit que je suis fatigué. Comment ça? Quoi? Fatigué? Alors, on peut être fatigué et enthousiaste. Si on est fatigué physiquement, c'est pas le souci. Donc, les gens qui se protègent trop, toujours au repos, toujours en sédentarité, ils sont fatigués mentalement. Donc, pour défatiguer le cerveau, il faut se fatiguer physiquement. Il faut faire tourner le moteur, la machine, parce que sinon, ça pose des problèmes, risques psychosociaux. Risques psychosociaux en entreprise. Et donc, c'est pour ça que les ateliers de sport en entreprise ont un retour sur investissement qui est relativement important, parce que ça permet d'évacuer, de créer de la relation, voir l'autre autrement, créer du lien social entre les services qui ne se parlent pas ou peu ou plus. Et voilà, donc fatigué, mais enthousiaste. Après une séance de sport, on est beaucoup plus innovant. On a beaucoup plus de relations. On a plus envie d'aller vers l'autre parce qu'on se sent en confiance. Même si on est éreinté physiquement, mentalement, on n'a plus peur de rien. Et donc c'est cette partie-là qui est vraiment importante, y compris sur les séances qu'on fait ici. Voilà, je vais recaler mon petit tapis, voir si vous avez bien récupéré. Alors, monsieur Barrera, regarde, Vitch. Aurélien, aussi crevant qu'une session de judo. Bah oui, Aurélien, quand on change d'activité, c'est toujours un peu plus dur. Ça change du parc Montsouris aussi, mais t'as un petit peu d'avance sur les autres. Stéphanie, regarde. Est-ce que vous avez récupéré? J'ai besoin d'avoir votre avis. Relativement bien récupéré. La séance n'est pas terminée, ne partez surtout pas. Maintenant, donnez-moi votre avis. Est-ce que vous avez récupéré? Allez, on va repartir sur les étirements. Donc toujours sur le même principe. Travail en étoile, toujours pareil. Toujours avec une petite composante supplémentaire à chaque fois. Voilà. Alors ne jamais s'allonger sur le dos quand vous êtes en tachycardie, c'est-à-dire avec un rythme cardiaque élevé, ne jamais s'allonger sur le dos. Si vous devez vous étirer, c'est soit à genoux, soit contre le mur, mais ne pas s'allonger sur le dos pour éviter le flux sanguin important qui pourrait arriver sur le cœur et poser des problèmes après derrière cardiaque. Donc on se met en fente avant et on se cale sur le côté à nouveau. Voilà. Hop, en arrière. Ici, on fait un premier tour rapide et après on reviendra sur les postures. Parce que tant qu'on est en cardio, on a du mal à se poser vraiment sur les différentes postures. Il faut vraiment un retour au calme pour passer du temps sur chaque mouvement. Et là, c'est pas encore tout à fait le cas. En ce qui me concerne, en tout cas. Donc, on passe sur le côté. Ici, voilà, on descend. Hop, un
pose le genou, on ramène la jambe, on pousse légèrement en arrière, légèrement. Voilà. Et là, en même temps, ça permet de récupérer l'ancrage des... Quand vous êtes vraiment sur un rythme cardio important, l'ancrage des mains au sol aide à récupérer. Ça permet de gainer la cage thoracique et d'aider les muscles respiratoires en même temps. Donc le corps, c'est une chaîne musculaire, y compris sur les muscles respiratoires. C'est pour ça que les mains au sol permettent de mieux récupérer. Alors parfois, quand on est debout, on met les mains sur les genoux. Et c'est pour ça que souvent, dans les phases de... dans les compétitions, les phases de combat, notamment en judo, on pose les mains sur les genoux pour se solidariser des muscles ventilatoires pour mieux récupérer. Là, on passe de l'autre côté, on fera les épaules après. Hop, et on revient ici, sur l'avant. Là. Et on revient sur le côté opposé. Vérification des toboggans, je le fais à chaque fois. Hein. Je ne peux pas m'empêcher. Hop, on avance bien sur l'avant pour bien tirer les adducteurs. On pensait tirer les adducteurs sur le côté en écart, mais ce n'est pas forcément le cas pour tous les faisceaux des adducteurs parce qu'il y en a plusieurs. Ok. Là, on va se mettre de l'autre côté. On va passer un petit peu plus de temps maintenant. Voilà, sur l'avant. Redresse et on vient ici sur l'arrière. Voilà. Allez, côté. À nouveau. Alors je vais doucement à chaud parce que j'ai une vieille blessure. Une vieille blessure et donc je ne veux pas trop la réveiller. Ok, genou au sol, on ramène le pied, on pousse les jambes en arrière pour relâcher le bassin. Voilà, ça va pour l'instant, on récupère. Hop, on se redresse un petit peu, main à 45 degrés, l'autre main posée au sol bien confortablement et on regarde la main qui est posée au sol. La main fléchie à 90 degrés, et là on descend. L'épaule pratiquement au sol. Alors les dames ont plus de souplesse que nous, donc il n'y a pas de souci pour aller toucher le sol. Mais les petits musculés comme moi ont du mal à aller à vraiment l'amplitude. Ok, on relâche et on passe de l'autre côté. Quand vous faites des étirements chez vous, essayez de maintenir la position à minima à 30 secondes, minima, lorsque vous êtes au repos. En début de séance, vous n'avez pas besoin de faire beaucoup d'étirements. En fin de séance, c'est plus un retour au calme qui permet de retourner dans l'axe de la vie normale. Et donc c'est un petit moment de méditation aussi, hein, qui est sympa. Voilà, on repart sur le côté, en pleine sudation. Voilà, on va ramener la jambe, on va s'asseoir à genoux et ici on va pousser les bras en avant avec les mains vers le genou, ici, comme les gorilles. Voilà, on étire bien les avant-bras. Ça c'est une position de prévention du syndrome des loges. Le syndrome des loges, c'est un problème de coulissement des tendons sur les gaines ici, au niveau du poignet, et quand souvent les pilotes moto, souvent la main droite. Sur la même position, on va arrondir, enrouler le dos, qui a été un petit peu sollicité quand même, notamment sur la phase abdominale et lombaire. Là, on fait le dos rond, on ramène le bassin arrière en rétroversion. On relâche, on inspire bien fort, tranquillement, on profite de la position quadrupédique qui est vraiment une position top, idéale pour le dos, c'est un vrai relâchement.
Et on repart ici à l'enroulement en poussant le bassin en avant, rétroversion. On laisse aller la tête vers le bas. Et on fait le dos rond. C'est à la mode de faire le dos rond. Et on relâche. Ok. On va se remettre à genoux. Et après, on va finir notre cercle d'étirement. Et là, on va tourner légèrement la tête. Toujours pareil, c'est un petit moment de méditation. On se demande si on a été efficace. Vous ne posez pas la question de savoir si vous avez tout donné. On n'est pas là pour tout donner. On est là pour se faire plaisir, se faire du bien, et puis essayer de retrouver la confiance, l'enthousiasme et être positif pour l'avenir. Et le sport permet aussi de créer des projets. Mentalement, on se sent plus fort. Et donc, c'est comme ça qu'on développe les projets, quand on est enthousiaste. Et donc, pour la suite de cette période, pour moi, c'est créer un levier auprès des pratiquants pour reformaliser les projets pour la suite. Peut-être différemment, mais positivement en tout cas. On va continuer ici de l'autre côté, à nouveau, un petit peu sur le côté pour rééquilibrer, hop. Et ensuite, on va repartir sur les deux derniers exercices qu'on n'a pas fait. Donc, jambes tendues, fesses en arrière, on pose juste les mains, on n'appuie pas. Voilà, et on descend le dos légèrement en avant pour étirer la partie postérieure des ischios jambiers qui tirent sur le dos, qui font bien le dos. D'où les 85% d'arrêt de travail en lien avec les problèmes de dos dans l'entreprise. Mais ce n'est pas d'actualité pour l'instant. Hop, et on repousse à nouveau vers l'avant, toujours en rétroversion du bassin, fente avant. Et en opposition sur le côté, on déverrouille le bassin, les intercostales, les côtes flottantes, notamment sur le bas-ventre, ceinture pelvienne. On se redresse, voilà, et on va chercher un peu plus d'amplitude, sans cambrer, ou sans trop cambrer. Voilà. Donc on se remet à genoux, bien confortable. Et ben là, comme tous les dimanches matins, je vous remercie de votre présence et je vous salue pour une prochaine séance qui aura lieu demain matin. Alors sûrement avec Stéphanie, puisqu'aujourd'hui il y a eu un problème technique. On va faire en sorte que ça soit réglé. Et voilà, soyez présent si vous voulez, si vous le souhaitez, avec vos enfants. Les enfants, c'est un peu difficile en ce moment, donc à tous les enfants qui regardent, participez, essayez de faire du mimétisme par rapport à ce que font vos parents, ou vous pouvez participer tout seul, tout simplement. Voilà, ne sortez pas, restez chez vous, c'est important, et vu que ça va se durcir, ça sera d'autant plus d'actualité dans quelques jours. À très bientôt, je regarde vos petits commentaires, et puis après je coupe la vidéo. C'est un petit temps d'échange sympa, souvent à la fin. Ah, je vois Dashvada, c'est Dashvada de Mongolia. C'est un entraîneur national mongol, très sympa d'être là. You're welcome Dashvada, Dashdava. Bram, Brambula, Michari, bienvenue aussi. Ghislaine, bonne journée Ghislaine. Sylvie, Turbil, merci à vous. Pauline, de rien Pauline, à très bientôt. Olivier Callas, je t'en prie. René, de rien René, à très bientôt aussi. À bientôt Colette, Sylvie Comenoz, à très bientôt. Eva, à Ellie, on se recontacte Ellie, à bientôt. Eva aussi. Clémence, merci beaucoup Clémence. Imad Mouib, merci Imad. Cécile, Sylvie, à bientôt Sylvie, on se rappelle. Aurélien, j'espère que tu es en forme. Voilà, ça permet de prévoir des projets. Un grand merci à toi Cécile, à très bientôt. Et Nora Jones, you're welcome Nora.
Donc je salue aussi toutes les entreprises, les collaborateurs des entreprises avec qui on travaille habituellement. Atos, Essilor, Énergie Éolienne de France, Siliqueur, Mérieux Nutriscience, Énergie Éolienne de France, Conférence des Bâtonniers et toutes les autres. Bon dimanche. Et puis pour ceux du dimanche matin, à très bientôt, j'espère. Au revoir.